Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une demande de votre part, donc je vais me faire un grand plaisir à vous montrer comment je fais, pas la fabrication, mais comment j'assemble un tapis chauffant, enfin, comment je fais un plafond chauffant, simplement avec, on va dire, 3-4 matériaux, grand maximum, sans compter le tapis. Allez, on va dire 3 matériaux, super simple, coûteux. Le seul truc qui va vous coûter cher, c'est le tapis chauffant. Tout est relatif. En tout cas, vous avez vu dans l'intro de la vidéo, les 2 petits terras, écoterra que j'ai aménagés. Il y a de la sphaigne, elle est gorgée d'eau. Il n'y a pas de suintement, il n'y a rien. C'est vraiment un super produit. Enfin voilà quoi, j'ai mis mes menthes à l'intérieur, elles s'éclatent. Ça fait quelques jours qu'elles sont dedans. Je trouve ça génial. En plus, c'est super et bien éclairé parce que bon, j'ai mis un système à l'intérieur qui permet vraiment de rendre l'éclairage top. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo va comporter là-dessus, donc sur le terrarium qui est là, donc c'est un terrarium arboricole, mais vous pouvez le faire sur tout type d'animaux qui sont, on va dire, qui cherchent la chaleur ou qui veulent récupérer la chaleur par le dessus. Donc je vais vous montrer exactement comment je fais. Je peux vous assurer que celui qui n'est pas bricoleur, s'il n'arrive pas à faire ce que je vais vous montrer là, c'est que c'est une bille. Ah, je le dis clairement. Donc, faire un tuto sur un plafond chauffant, un tapis chauffant ou quoi que ce soit, enfin, faire un truc pour chauffer votre bête. Juste une petite précision, je vous ferai une petite précision ou pas, parce que beaucoup de gens mettent des sondes de température pour les serpents, enfin pour certains reptiles qui s'accrochent à des branches, pas au bon endroit, donc je vais vous expliquer vite fait aussi où la placer, comme ça il n'y aura pas de problème. Et je peux vous expliquer que si avec ce tuto, franchement, vos bêtes ne s'épanouissent pas, entre guillemets, dans leur terrarium, là franchement il y a un souci. En tout cas moi, je vais vous montrer ma méthode. Quelque chose de simple, je me dis si on n'y arrive pas avec ça, c'est que on change de passion. Et je pèse mes mots. Voilà, donc là on est sur le terrain arboricole de mes Morelia viridis. Donc là vous avez la branche qui est ici. On va se rapprocher un peu. On est devant le terrain, donc ce que je vais faire, je vais récupérer, donc de toute façon je l'avais déjà démonté, donc je vais récupérer le dessus, le grillage qui est au-dessus du terrain. Là c'est sur de l'exoterra. Donc j'ai une petite lampe pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc là on est sur le terrarium de, comme je dis, de mes Morelia viridis. On va se décaler sur ma droite. Voilà, donc ici vous avez la grille, c'est tout simple, le tapis chauffant. Comme je vous dis, vous avez besoin, allez, on va dire de 3 matériaux grand maximum. Donc premièrement, le scotch. Il a envie de sortir, je le sens. Le scotch aluminium qui va permettre, qui va servir en gros d'isolant, ça c'est très important. Il vous faut des agrafes murales. Donc vous trouvez ça donc avec une agrafeuse murale, c'est très simple. Et ensuite il vous faut une planche de contreplaqué. Alors j'ai pris du contreplaqué parce que c'est une planche qui est fine et très légère. Donc plus vous allez prendre lourd, plus vous allez déformer le grillage, l'aération de votre eau de terrarium. Et je trouve ça un peu dommage de prendre quelque chose, surtout qu'il n'y a pas besoin. Ça coûte franchement dans les 3 €. Scotch d'aluminium, je crois que c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Bon, vous en trouvez dans les 5-6 €. Et ensuite, en plus, ça peut servir plein de fois. Et les agrafes, bon, après, ça peut toujours servir. Après, voilà, tout dépend des magasins. Vous pouvez en trouver partout. Donc, c'est tout simple, hein. Le tapis chauffant, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découper une planche avec 3-4 cm de plus que le tapis chauffant. Par exemple, si votre tapis chauffant fait 20 sur 20, vous mettez 23, voire 25 sur 25. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est tout bête. On va mettre d'abord une première couche de scotch aluminium sur la planche. On va entièrement recouvrir de scotch aluminium la planche de contreplaqué. Une fois qu'on a mis le scotch sur la planche de contreplaqué, qu'est-ce qu'on fait? On va apposer le tapis chauffant. Donc le tapis chauffant, la puissance va correspondre à la surface que vous allez remplir. J'ai fait plein de tutos là-dessus. Je vois les gens qui se prennent la tête, qui vont sur des réseaux sociaux questionner et tout. Quand je vois les réponses des gens, alors il y en a qui le mettent directement au fond. Chacun fait comme il veut. Si vous avez un terrarium avec du verre, vous pouvez toujours scotcher ça. Après, c'est vrai que esthétiquement, quand on arrive face au terrarium, c'est pas très joli. Donc moi, je préfère faire des plafonds chauffants que des murs chauffants. C'est un choix personnel et je trouve que mes serpents se sont... Voilà, j'ai essayé les deux et j'ai trouvé que mes serpents étaient mieux avec ce genre de système. Donc une fois qu'on a placé le tapis, on va remettre du scotch aluminium tout autour. Voilà, le simple fait. Donc on met bien sur le bord transparent du tapis chauffant et pas sur le noir. Le noir, c'est la bande chauffante, donc on évite de mettre sur la bande chauffante. Bon, là, il va y avoir peut-être quelques millimètres de pris, mais on fait très attention à ne pas recouvrir, bien sûr, même si c'est pas dangereux, parce que c'est un scotch qui résiste à une température quand même assez élevée. Et en plus, je vous dis franchement, c'est très sécurisant. Donc je vous dis, hein, vous le trouverez dans le rayon plomberie. C'est un scotch, les scotch aluminium, pour moi, il n'y a rien de mieux. Après, vous avez les scotch qu'on appelle tressés, qui résistent autour de 70-80 degrés. Mais celui-là, il résiste à une température beaucoup plus haute et je préfère ça. Moi, comme je vous dis, je préfère toujours sécuriser à fond toutes mes installations. Pareil, le tapis chauffant, on le met sur un thermostat digital avec, très important, fusible. On relie tout ça avec une multiprise, avec un fusible. Comme ça, on a une double protection. Et ensuite, vous avez le boîtier principal de votre habitation. Et là, ça fait encore un fusible supplémentaire. Je vous dis, moi, j'ai 3 fusibles, 3 protections pour mes bêtes. Souvent, les boîtiers qu'on achète, les multiprises, c'est un fusible qui n'est pas interchangeable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est grillé, c'est grillé. Donc, moi, j'en ai toujours 2 ou 3 prises d'avance. Voilà. Une fois qu'on a placé le tapis chauffant, on l'a scotché. On va se dire, merde, comment je fais pour que ça tienne sur le grillage? J'ai agrafé directement, donc de ce côté-là, on ne le fait pas de l'autre côté parce qu'on évite quand même de percer le tapis chauffant, ça peut être dangereux. Pas de court-circuit, on fait quand même attention, on est toujours dans la sécurité maximale. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va se placer sur la bande extérieure, donc sans toucher le tapis chauffant. Voilà, on va se servir en gros du scotch qui a maintenu le tapis chauffant. Et on va faire des coups d'agrafe, tac, 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 tac. Bon, moi, j'en ai mis, je crois que c'est 3 par côté. Donc en tout, j'en ai donc là 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc ça fait 3, 6, 8, 10. Il y a 10 agrafes. Et les agrafes, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elles vont ressortir en pointe? Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un tournevis ou un couteau et vous écrasez les pointes. Et voilà. Et je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Je peux même mettre mes doigts, je peux même écarter. Vous voyez, ça ne bouge pas. C'est une installation que j'ai fait il y a plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Et vous voyez, le grillage, il n'a pas bougé d'un iota. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des installations avec... une espèce de polystyrène, de l'hydrofuge et ainsi de suite. C'est lourd, c'est imposant, ça fait des plafonds chauffants de 5 à 10 cm sur votre terrarium. Je vais mettre cette main là, on verra mieux. Donc ça vous fait à peu près ça des fois dans le terrarium. Donc vous perdez automatiquement de la hauteur. Ensuite, voilà, moi je préfère vraiment minimiser. Quand vous voyez qu'une fois que le tapis chauffant est placé, voilà, bon, je ne vais pas, parce que sinon je vais faire tomber la lampe. Voilà, une fois qu'il est placé, vous voyez, hein, bah, j'ai de la place. Je vais vous montrer juste aussi la petite astuce. Une fois que vous avez mis la sonde ici, vous allez, par exemple, vous avez besoin de 29 degrés pour un, par exemple, pour un Morelia viridis. Il ne faut pas avoir 29 là, il faut avoir 29 ici. Donc, ce que vous faites, vous mettez, par exemple, 32, 33, et vous regardez combien ça répercute de chaleur sur la branche. Si vous êtes à 33 et vous êtes à 30 ici, et ben vous mettez 32, et là, vous aurez 29. Avec un pistolet, donc à distance, donc un thermostat à distance, donc avec un coup de laser, vous regardez quelle température vous avez là et vous ajustez le tapis chauffant en fonction. Le mieux, c'est de mettre la sonde ici, vous mettez un petit serflex et ensuite, bah voilà quoi, c'est mieux. Après voilà, chacun sa méthode, les deux sont bien. Ne faites plus des gros coffrages avec ça d'épaisseur, ça sert à rien, vous perdez de la place et puis en termes de sécurité, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc en plus, il y a un film plastique, c'est pas que c'est étanche. Voilà, on peut pas le mettre dans l'eau, on peut pas, c'est pas un thermo plongeur. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous sortez votre fil par les aérations qui sont prévues à cet effet. Et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous procédez, vous, lorsque vous faites un tapis chauffant, un plafond chauffant, quelle méthode vous utilisez. Moi, je vous dis, pour moi, celle-là, c'est la plus simple, c'est la mieux. N'hésitez pas aussi à isoler votre terrarium, c'est quand même mieux pour votre bête, parce que les terrariums en vitre, je peux vous assurer que pour récupérer la chaleur qu'il y a à l'intérieur, c'est très compliqué. En tout cas, moi, je prends de plus en plus plaisir à vous faire ce genre de vidéo parce que c'est à votre demande. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo, comme tuto ou autre. Donc, je vais refaire des tutos. Et moi, ça me plaît parce que ce sont des vidéos qui sont quand même assez simples à tourner, qui sont assez précises. Et je pense que ça mérite un petit like, ça mérite un petit commentaire pour votre soutien. Et n'oubliez pas que le pouce plus le commentaire, ça permet à l'algorithme YouTube de mettre ma chaîne en avant et de la faire connaître. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos nombreux messages, votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous. Peace tout le monde, ciao ciao.